Tous les matins, avec Véronique Champoux. Commencez votre journée en français. C'est l'heure de Tout le monde debout. Jusqu'à 10h au Lou FM, la Voix du Nord. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission en ce mardi 27 février, journée internationale de l'ours polaire. Ben oui, ça existe ça. Et ça, ben restez à l'écoute parce qu'un peu plus tard dans l'émission, ben on va s'en rejaser justement de cette journée internationale-là. Sinon, dans la prochaine heure, on va vous parler, entre autres, vous savez, du triple meurtre suivi d'un suicide qui a eu lieu à Berks Falls. Eh bien, on va revenir là-dessus parce qu'on connaît maintenant l'identité officielle des victimes. Aussi au sport, ben c'était la date limite des transactions hier dans la LNH, alors on va revenir là-dessus. Et aussi, ben, si vous restez du côté de Timmins et vous voulez assister à la journée de la femme, la soirée de la journée de la femme, la semaine prochaine, eh bien, on aura des billets pour vous. Alors, restez à l'écoute. Du côté de la météo pour aujourd'hui, eh bien, pour Sudbury et dans les Nipissing, 600 nuages ce matin, c'est un maximum de plus 5. Pour Timmins, nuageux, 60% de possibilité d'averse de neige, un maximum de plus 4. Et pour Chapleau, c'est nuageux avec 30% de possibilité d'averse de neige le matin. Dégagement cet après-midi. Midi, un maximum de plus 3. Alors voilà, on va s'en aller en musique. Maintenant, on a Jean-Marc Couture qui s'en vient, mais tout d'abord, on s'en va écouter Keisha et Woman sur les ondes du Lou FM, la Voix du Nord. Gabriel Goulet, LC, c'est ce qui vient de jouer sur les ondes du Lou FM. Vous savez, il y a toujours des sujets un peu plus difficiles à aborder quand on travaille en radio, comme celui du triple meurtre suivi d'un suicide du côté de Berks Falls. Pourquoi je vous en parle ce matin? C'est parce qu'on connaît officiellement l'identité des victimes. Donc, les trois personnes qui sont mortes sont Reja Turunen, 88 ans, sa fille Oula Théorev, 55 ans, et son petit-fils Paul Théorev, 28 ans. Celui qui les aurait tués et se serait suicidé par la suite, c'est Mark Jones, qui serait connu de la famille selon les différentes informations qu'on a réussi à aller trouver sur les différents sites de nouvelles. Alors voilà, ça s'est passé du côté du comté de Ryerson et c'est ce que ça s'est passé. On demande d'ailleurs si vous avez des informations de bien sûr communiquer avec l'OPP pour savoir là, parce qu'eux, ils cherchent le plus de renseignements possible. Alors voilà, on se retourne en musique nous maintenant. Écoutez Logan Stats et The Lucky Ones sur les ondes du Lou FM. Une peau revitalisée sans temps de récupération, sans problème. À la Sudbury Skin Clinic, nous recevons beaucoup de demandes pour des services qui ne nécessitent aucune convalescence. La réduction des graisses, thermage, silk peels et l'épilation au laser sont quelques-uns des nombreux services qui ne nécessitent aucun temps d'arrêt. Profitez d'une consultation gratuite dès aujourd'hui avec une infirmière technicienne de la Dr. Lynn Giroux pour trouver le service qui vous convient. Sudbury Skin Clinic, toujours vous-même, mais en mieux. Bonjour! Qui a besoin de café le matin? Lorsque vous avez Véronique, tout le monde debout. 60% de possibilité d'averse de neige, maximum de plus 4. Et pour Chapleau, c'est généralement nuageux avec 30% de possibilité d'averse de neige ce matin. Ça se dégage cet après-midi, un maximum de plus 3. Présentement, à Sudbury, c'est moins 5, on ressent moins 11. Nipissing, moins 5, on ressent moins 10. Timmins, c'est moins 4 degrés, on ressent moins 10. Et pour Chapleau, c'est moins 4, on ressent moins 8 degrés. En musique, ce qui s'en vient, on a du Taylor Swift, du Jean-Marc Couture. Mais tout d'abord, on s'en va écouter Alexandre Poulain et couleurs primaires, tout de suite après la pause. Yann Perrault, faut pas se fier aux apparences, c'est ce qui vient de jouer sur les ondes du Lou FM. La période des transactions dans la LNH se terminait hier soir. Il y a plusieurs personnes qui ont changé d'adresse. Du côté des Canadiens, bon, on a envoyé Joe Morrow du côté des Jets de Winnipeg. On a reçu un choix de quatrième ronde de cette année pour ça. Ensuite, on a envoyé un choix de cinquième ronde en 2019 au Wild du Minnesota, en retour du défenseur Mike Riley. Et c'est à peu près ça qui s'est passé. À part Tomáš Plekanec, qui avait déjà changé d'adresse. Sinon, hier, ben, il y a eu comme deux transactions majeures. Il y a eu les Rangers qui ont transigé avec le Lightning de Tampa Bay. Ils ont envoyé Ryan McDonagh et JT Miller à Tampa Bay en retour de Vladislav Nametsnikov, Libor Hajek, Brett Auden et un choix de première ronde et de deuxième ronde cette année. Alors, le Lightning qui va vraiment le tout pour le tout. Et l'autre transaction majeure, ça s'est passé entre les Golden Knights de Vegas et les Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui ont envoyé Thomas Tatar du côté de Vegas et qui ont reçu
en retour un choix de première ronde en 2018, de deuxième ronde en 2019 et de troisième ronde en 2021. Alors, c'est vraiment les deux seuls gros échanges qu'il y a eu hier. Il y a d'autres noms qui ont changé d'adresse, mais rien de majeur. On retourne maintenant en musique. Écoutez Vance Joy et Lay It On Me sur les ondes du Loup FM. Michael Daniel Murphy et B. Sonny, c'est ce qui vient de jouer sur les ondes du Loup FM. Ça continue de s'empiler pour le groupe Edley qu'on avait accusé d'inconduite sexuelle et que là, maintenant, non seulement c'est de l'inconduite sexuelle, mais on accuse le chanteur carrément d'agression sexuelle. C'est une entrevue qui a été faite par Radio-Canada. C'est une jeune femme d'Ottawa qui dit, écoutez, je me suis fait agresser sexuellement par le chanteur. Elle a des détails assez particuliers. Elle a vu un médecin, mais elle n'a jamais porté plainte. Alors, et même que on a protégé son identité, bien entendu, parce qu'on le sait, des fois, on se dit, ah, ben ça se peut pas qu'elle ait fait ça, c'est un groupe que j'aime. Et ça regarde pas super bien. Là. Je vais vous dire, là, j'ai lu l'entrevue au complet, et tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas capable d'aller dans la chambre, voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais quand même, c'est assez... Ça fait assez peur quand on me dit ça, disons. Alors, voilà, ça continue de s'empiler. Le groupe qui est toujours en tournée, qui va d'ailleurs s'arrêter du côté de Sudbury le 14 mars prochain. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Voilà. On retourne en musique maintenant. Écoutez, Stéphane McNichol est tombé en amour sur les ondes du Loup FM.